Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous reprends pour un petit DP lampe. En fait, c'est la deuxième, donc celle pour ma fille. Je l'ai déjà réalisée pour ma nièce, enfin ma petite cousine. Et donc là, je voulais en faire une avec vous en fait. Donc j'ai essayé de pas faire trop de bruit avec le plastique. Je vous avais fait l'unboxing. Et donc c'est une petite Marie. Je viens de mettre ma fille dans son lit. J'espère que ça ira. On verra bien. Donc vous avez le petit interrupteur et tout, c'est vraiment génial. Ça, on va le mettre de côté et on va prendre le kit pour travailler. Je vais pas prendre le kit, je vais le laisser tout neuf celui-là. J'en ai un à côté de moi, de l'ancien. Alors. Désolée. Voilà. Comme ça, on fera plus trop de bruit. Alors, ben on va commencer par le blanc. Donc, c'est le 2. J'ai constaté sur l'autre que j'ai faite qu'en fait on a l'impression que c'est bien aligné quand on le pose comme ça, mais en fait quand on le met comme ça on voit bien que si on le met droit en fait ça c'est pas en face, donc c'est assez pénible à faire je trouve, mais je vais enlever tout le papier. Donc en fait on sait pas trop où il faut les poser parce que si on l'aligne bien au truc, si on le met droit, après ça fait on voit en dessous le 2 en fait. Donc je vais faire comme j'avais fait pour l'autre. Et puis on verra bien. De toute façon, c'est pas pour une galerie d'art. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Il est tellement épais le truc qu'en fait, on a l'impression que c'est en face, mais pas du tout. Si on le met droit après. Alors j'ai ça, j'ai la boîte à mouchoirs à faire en fleurs de cerisier. Et une panière pliable que je lui avais pris. Donc on a de quoi faire. Voyez? Si on le met droit après, on voit que c'est pas génial. Moi, je pense que j'en rachèterai pas parce que ça, c'est pas. Faut vraiment mettre. C'est pas évident à faire en fait. Je vais faire comme l'autre et puis après je réajusterai les diamants au fur et à mesure s'il y en a qui sont bien trop décalés ou pas, on verra.
Sinon, après, c'est joli, hein, le rendu. Enfin, moi, j'ai bien aimé l'autre. Il faudra d'ailleurs que je lui emmène. Il me restait même des diamants sur l'autre. Ils en ont mis bien assez. Donc ça, c'est cool. Alors, je vous mettrai en barre d'infos où je l'ai commandé. Donc c'est sur AliExpress, hein, mais je vous mettrai le lien du vendeur. Enfin, de l'article, quoi. Ça glisse pas mal en fait là, sur la colle, donc on peut les remanipuler comme on veut, mais je sais pas si ça va tenir très longtemps cette histoire. On verra bien. Le fait que ça soit aligné au début et que quand on regarde sous plusieurs angles, ça ne l'est plus, ça me perturbe un peu, ça, par contre. J'ai du mal à m'y faire, en fait. Et vous, à la caméra, vous voyez les chiffres en dessous, en fait. C'est le... Oups. Je l'ai débranché. Ça me... J'aime pas en fait. Je voyais pas ça comme ça. Je pensais que le dessin serait plus collé à la vitre du dessus en fait. Pour justement éviter que... Parce que là, c'est vraiment... En fait, c'est collé derrière. J'arrive plus à l'attraper. C'est collé là. Ils auraient dû, je sais pas. Parce que après, c'est sûr que ouvrir la plaque, non, mais. Ou faire des plaques moins épaisses, coller derrière et remettre une plaque. Je sais pas. Mais. Ça me perturbe comment c'est fait. Je pose et après j'arrête pas de retoucher au diamant. Pour un petit truc qui devrait durer même pas 1 heure, bah finalement je mets plus de temps parce que je suis tout le temps en train de remettre les diamants. En plus là c'est le deuxième que je fais en une semaine là, donc je suis bien contente de pas en avoir 50 à faire quoi. Après, ça reste joli, mais voilà quoi. C'est oups. J'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Leur première journée.
J'y suis pas encore, mais ça passe tellement vite que je me dis, ça va pas être super long non plus. Bon, elle va arriver déjà sur 7 mois là. Ça va vite quand même. J'ai l'impression que j'ai accouché hier. Donc je me dis, bon, t'as encore un peu de temps, mais bon, ça passe vite quand même. Je suis super contente parce que j'ai vu qu'on avait passé les 700 abonnés. Et du coup, ouais, je suis pas mal contente. Mais après, ça serait cool que les nouveaux abonnés me laissent un petit commentaire, que je vois que, voilà. Parce que là, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, oui, mais c'est une chaîne pour le partage et tout, donc si on pouvait me laisser un petit commentaire, un petit coucou, juste histoire de me dire je suis nouvelle, je te suis pour soit le DP, soit le coloriage, ou les deux, ou me dire ce que vous faites, si vous faites du DP ou du coloriage, ou les deux. Ou autre chose aussi. N'hésitez pas, hein. Je ne mange personne. Réveiller. Voilà. Septembre est là. Ça passe super vite, moi, je trouve. Malgré que je sois à la maison, les mois défilent. Depuis que j'ai la petite, j'ai pas le temps de réaliser que en fait les journées sont passées. Là, ce matin, je disais à mon homme, on est quel jour en fait, parce que je suis totalement paumée quoi. Je vois pas les journées passer. Vous assurer que je, même en étant à la maison, je m'ennuie pas. Autant il y en a qui me disent oh, moi j'y arrivais pas, au bout d'un moment ça me, je m'ennuyais et tout. C'est pas mon cas, hein. J'arrive déjà pas à faire tout ce que j'aimerais faire. Mes journées sont pas assez longues.
Je ne sais pas quel temps vous avez aujourd'hui, mais nous on a un gros soleil. Bon, par contre, les températures ont bien chuté, donc c'est pas super chaud, mais. Mais il fait beau. C'est le principal. Là, je viens de filmer aussi la vidéo sur les coloriages des 2 derniers mois. Du coup, je vais pouvoir me remettre au coloriage là prochainement. J'en ai un en cours d'ailleurs. Ben, un mari aussi. Je suis en ce moment dans le tome 2, le bloc message mystère. Disney. Je suis actuellement sur ben, la petite Marie aussi. Donc, finir celui-là déjà et puis voir pour faire des duos ou même des défis hein, avec tout ce qu'il y a sur les groupes. Et c'est vrai que j'aime bien faire des duos avec les copines, ça. C'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est en faisant des duos ou des trios ou des qu'on fait connaissance aussi avec d'autres personnes. Parce que. Sinon, c'est vrai que on met nos polos, mais alors, soit on a des commentaires, soit on a des likes ou mais si on va pas parler avec les gens, c'est du partage, mais sans être du partage, quoi. C'est vraiment pénible le fait de devoir en décaler là. Ça me. Je sais pas s'ils ont bien mis ou pas du coup. Ouais, ça fait. On les voit bien. Ma pépette est réveillée. On va la faire en plusieurs parties du coup. J'aurais voulu la faire une seule fois, mais ça va faire une vidéo trop longue. Ou alors il aurait fallu que je fasse en accéléré, mais j'aime pas trop. Voilà, faire en deux parties, je pense. Là, on aura fait tout le blanc déjà, c'est ce qui aura. Durer le plus longtemps, je vais aller voir. Je vais mettre en pause et je vais aller voir.
si je vois qu'elle est réveillée, je vais arrêter parce que... Elle est réveillée, je l'entends. Donc on va finir le blanc. Déjà, on aura fait ça. On va le faire en deux parties. Je vous referai une vidéo dès que elle repartira à la sieste. Donc là, on a fait tout le blanc, tout le contour. Alors, je rajusterai les diamants parce que c'est une catastrophe. Mais voilà un peu. Donc là, je vais vous laisser. Et puis, je vous reprendrai plus tard pour faire le reste dans une seconde partie. Bisous.